bien rendez-vous pour le thème du ciel général concernant cette nouvelle lune du 1er août en Lion. Donc plus exactement, elle se fera le 2 et elle sera pas tout à fait dans le signe du Lion. Bon, ça c'est juste pour tatillonner selon les références du site Stellarium Web que j'aime bien consulter. Et en même temps, il y a les influences énergétiques qui sont déjà présentes en amont, dans tous les cas. Donc voilà tout le sens que l'astrologie vient mettre en lumière. Donc j'invite bien évidemment à votre propre discernement, toujours sur les tirages comme sur les partages, qui je le rappelle sont aussi mes propres interprétations avec mes filtres, ma propre vision des choses. Donc il n'en est rien la vérité absolue, d'accord, c'est simplement ce qui moi me parle et voilà, et si potentiellement ça peut accompagner ou aider à comprendre certains de nos mécanismes à certaines personnes, et ben super, et si c'est pas le cas, et ben super aussi, parce que voilà, dans tous les cas chacun trouve sa route, son chemin, voilà. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. J'invite également, pour ceux qui aiment bien approfondir l'astrologie et la compréhension de soi, de nos potentiels, parce que je pense que c'est un peu de ça qu'il est question pour la majorité d'entre nous, c'est d'oser exprimer notre réel potentiel, et non pas celui que la société a voulu de nous, ou ce que l'éducation nous a brimé, ou empêché, étouffé, ou obligé à être ou faire. Voilà. Donc ça parle bien évidemment de balayer des croyances limitantes, de les transformer en quelque chose de plus cohérent pour l'être. Et bon, voilà. C'est le partage de l'introduction. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à faire une vidéo qui va durer une heure. Donc, par quoi nous commençons? Eh bien, déjà petite aparté. Ah, j'ai quand même envie de faire le petit clin d'œil avant. Je pense que, en tout cas personnellement, j'ai envie de partager qu'il y avait un gros coup de fatigue avant cette nouvelle lune. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes sensibles à ces énergies de changement, de vagues d'énergie, de la fin d'un cycle qui se boucle, des choses que l'on a pu conscientiser, les choses qui se sont révélées comme la confiance en soi, comme la valeur que l'on se porte et qui est bien souvent erronée ou biaisée ou... Voilà, toutes ces choses, à mon sens, sont venues soulever un espèce de... Comme un mur, là, un espèce de... Comment je peux dire? Une partie qui souhaite à tout prix transformer quelque chose, et une partie, encore, une résistante, quelque chose comme ça, qui a pas forcément envie de mettre le pied dans l'inconnu, quoi. Et voilà, et d'où cette potentielle fatigue, je pense, en tout cas, comment moi je le vis. Parce que le mental s'agite, des croyances, des résistances sont en route, sont en action, sans arrêt, parce qu'il y a des choses qui veulent transpercer le voile, et il y a, y a encore quelque chose qui vient parfois plomber, à retenir. Et ce que je veux dire par là, je le dis avec beaucoup d'humour aujourd'hui, mais en fait, c'est comme s'il y avait une part de « il faut à tout prix faire ça comme ça » et qu'il y avait un phénomène de densité qui venait me ralentir dans cette envie d'action et d'aller très vite et qui finalement me dit que il y a des choses qui ont besoin de temps. Chaque cycle est nécessaire. Rien ne sert de courir. et que voilà, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a un besoin d'intégrer des choses pour les manifester ensuite de façon nouvelle.
Et cette nouvelle lune, donc, qui va arriver donc, dans l'énergie du lion, me parle de quoi? De l'énergie sexuelle, en fait, de son énergie vitale, de son énergie créatrice. Ça va parler aussi de sa sexualité, de sa créativité, de à quel service ou dans quoi vous entreprenez votre à quoi vous entreprenez votre énergie vitale. Voilà. Est-ce que parfois vous vous laissez dominer par une croyance limitante ou est-ce qu'au contraire vous apprenez à quelque part réconcilier cette pensée-là pour en faire un... Je pense au Rubik's Cube en faisant ça, je sais pas pourquoi. Alors on remet les pendules à l'heure, en fait, on recroise les couleurs, hein, et on remet de l'ordre aussi dans la structure. Parce que je pense qu'il est vraiment question de ça, de cette déstructuration, je dirais, dans notre éducation, dans nos croyances, dans beaucoup de choses en fait, et là il est question pour moi de mettre de l'ordre, c'est comme ça que je le vois et que je le vis, et voilà. Et le fait que Mars soit aussi, en tout cas va arriver dans le signe du lion, parce qu'en fait il est entre les deux, entre le cancer et le lion plus exactement, mais m'annonce qu'il y a justement cette énergie de créativité, cet élan de construction, mais aussi de déconstruction. Il y a quelque chose de punchy qui est présent, parce que dans le sens où, en fait, il y a un moment donné, il va falloir vraiment stop, quoi. Il y a des schémas sur lesquels il faut vraiment trancher, quoi. Il faut vraiment prendre des bonnes mesures, des bonnes décisions. Alors quand je dis « il faut », voilà, vigilance avec mes mots, évidemment, mais ce que je veux dire avec bienveillance, c'est que il y a des changements qui sont opportuns à un moment clé dans nos vies. Et il est important, je pense, à mon sens, d'en faire quelque chose de constructif. C'est-à-dire que si vous avez une opportunité qui se présente dans votre vie, que ce soit, je ne sais pas, une rencontre sentimentale, que ce soit dans l'activité que vous faites, que ce soit dans vos projets de vie, si, dans une maison, enfin, voilà, ça va parler, c'est un thème général, donc en effet, voilà, je ne vais pas tout énumérer, mais... Voilà, ce que ça me dit, c'est que il y a comme une confiance en soi retrouvée, après une conscience de nos profondeurs, de nos peurs, de nos mémoires, de ce qui est à nos parents, de ce qui est à la société, et de ce qui est une part de nous, parce que forcément, si on est influencé par ça, c'est qu'encore on a une strate ou une faille, une brèche, je dirais, qui, quelque part, tend la main à cette faille-là. Et c'est comme si on venait là de passer un cap d'introspection, là, tout le mois de juillet, de comprendre certaines choses encore, qui nous permettent, là, en août, avec cette nouvelle énergie qui se met en place dans ce nouveau cycle lunaire, de justement en créer autre chose dans sa sphère. Et ça oblige à faire en fait une épuration, clairement. Et à cela, ça parle de confiance en soi. Le signe du lion, c'est la force. C'est la force, quoi. Mais la force, pour moi, c'est pas la force colère. C'est vraiment une force d'âme, une force de vie. C'est la force d'interagir avec le monde, d'intégrer le monde avec le feu créateur qui vibre et qui circule en nous, en toute confiance. Et surtout avec la foi. Parce qu'en fait, pour moi, le signe du lion me parle aussi de foi. Je pense au Jah Rastafari, avec voilà, ce symbole du lion et ce drapeau. C'est comme porter son flambeau, quoi. Porter sa flamme. Et pour moi, il est question que chaque individu, chaque être aille vers la reconnexion à sa flamme. Et là, ça va parler à beaucoup de je vais pas trop m'étaler sur tout, mais ça parle de quoi? De sa flamme de vie. Ça parle
de sa connexion au divin, ça parle de sa connexion à ce qui nous porte, qui est plus grand que soi. Quand je dis qui est plus grand que soi, c'est qui est plus grand que nos désirs, nos caprices du mental, nos peurs de l'enfant intérieur, etc., etc. Je veux pas limiter que l'enfant intérieur à tout ça, bien sûr, mais voilà, sinon, si je commence à trop détailler, ça va durer beaucoup trop de temps. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, il y a cette énergie de feu et de lune, donc cette part de... Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. En fait, l'âme, elle n'a pas besoin de savoir, de tout comprendre. Elle est déjà par essence. Je dirais que le challenge ou le défi, c'est certainement là, dans le signe du lion, de tempérer peut-être ce mental agité qui parle aussi d'un ego avec le lion. Un ego surdimensionné ou une soif de charisme, une soif à tout prix de devoir à tout prix faire. Alors, il y a aussi pour moi, à mon sens, dans le faire et dans ce que l'on sème, dans ce que l'on sème, en plus on peut l'entendre de plein de façons différentes, mais ça parle de d'actions créatrices aussi qui sont issues de ce feu créateur en vous. Il n'y a même pas besoin de le chercher, en fait, j'ai envie de dire. C'est, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire que c'est simple. Et à la fois, ce qui n'est pas évident, c'est dans quoi cette flamme, elle vient s'incarner, quoi. Et c'est tout ce qu'il y a autour qui a modelé avec cet esprit du feu créateur, quoi. Et voilà, et c'est tout l'enjeu, et c'est tout la beauté, je pense, de tout ce cheminement que nous vivons tous dans notre vie, où ben voilà, on a besoin de faire des expériences, de se rendre compte de certains de nos comportements, de voir que ben là, on a besoin de se tromper, oui, on a besoin de tomber, oui, on a besoin aussi d'avancer, ben, on a besoin de tendre la main, on a besoin de se faire aider. Voilà, c'est toutes ces choses, et en même temps, c'est s'extraire aussi de tout ça. Si je fais ça, c'est clair. Bon. Donc, vous voyez, pour ceux que ça intéresse d'approfondir leur thème de naissance, dans quelle maison ce signe résonne dans votre thème natal? Si par exemple, il est dans la maison 1, dans la maison de vos potentialités, de vos potentiels, voilà, ça va justement vous mettre en lumière vos capacités d'action, vos capacités créatives, votre confiance et les choses que vous êtes en mesure d'accomplir. Voilà, ça part aussi peut-être d'énergie de leader, de toutes ces choses. Si c'est par exemple en maison 9, ça va être l'envie de voyage, l'envie de découvrir en toute confiance, on élargit les perspectives, on va voir ailleurs, on sort d'une zone de confort, on se découvre en fait, soit dans ce grand livre qu'est la vie, mais aussi dans ce grand livre de l'humanité dans lequel on peut se voir et s'aimer aussi. Voilà, la maison 9, c'est la maison des voyages. Ça peut être aussi dans la maison 12, par exemple, c'est la maison des choses qui sont enfouies, c'est un petit peu tout ce qui est connecté à l'âme. S'il y a des choses qui sont enfouies, voilà, et ben là, le signe du lion dans la maison 12 viendrait nous dire qu'il y a une forme de peut-être de colère ou d'affirmation de soi, de capacité, d'autonomie, de voilà, de ouais, cette énergie de meneur en fait, quelque part, qui peut-être est cachée, sommeille un petit peu en vous, quelque chose que vous n'osez peut-être pas exprimer, par exemple, dans la maison 12. Ça peut être aussi ça. Voilà, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est juste pour donner un petit focus. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire pour chaque planète et voir dans les maisons dans lesquelles ça peut résonner pour chacun. On a aussi donc le Soleil et Vénus qui se situent encore en Cancer. Donc il va être influencé aux alentours du 2, 3, plus par l'énergie du Lion. Mais le jour de la nouvelle Lune, il est encore en signe du Cancer. Ces deux planètes sont encore dans le signe du Cancer et me parlent de cette capacité à aimer, de cette capacité à s'ouvrir aux autres, de cette capacité à accueillir aussi
nous aimer tel que nous sommes, en fait, c'est aussi ça. C'est mettre de la lumière sur tout ce que nous sommes dans notre vie, tout ce que nous traversons, sans se juger, ni se condamner, ni se blâmer, mais juste se pardonner et apprendre aussi à pardonner, à lâcher prise sur peut-être des déceptions, des attentes que l'on aurait pu projeter sur des personnes de notre entourage. Je pense notamment à notre famille, mais aussi dans nos relations affectives, mais pas que, ça va parler aussi de relations amicales. Peut-être que toutes les exigences qu'on a pu avoir en lien avec nos croyances du passé, avec notre mental un peu erroné, étriqué, vis-à-vis du conditionnement, de l'éducation, etc., des influences de la société, ça a pu, je dirais, fermer des portes concernant l'ouverture à l'autre, l'ouverture aussi à soi. Et en fait, c'est comme si, dans l'énergie du cancer, ça venait me dire que cette nouvelle lune venait justement épurer tout ce que l'on a pu croire sur le non-amour de soi, et aussi le non-amour de l'autre. C'est comme si il y avait une face lumineuse là, qui est en train de se mettre en place derrière la pièce sombre que l'on a pu voir en fait sur cette grande pièce théâtrale. Voilà, je sais pas si ça va vous parler là, ce que je suis en train de raconter, mais ça me parle de ça, comme si, parce que le soleil dans ce signe là me parle de rayonnement, de chaleur humaine, de foi, d'amour, de confiance aussi, de, je sais pas, je sens vraiment quelque chose comme de plus de douceur aussi, voilà, que ce soit vis-à-vis de soi mais vis-à-vis des autres. On a aussi Mercure qui est dans ce signe là qui alors là qui rentre en opposition en fait avec Saturne et Pluton qui sont dans la maison en domicile du Capricorne, et donc dans son domicile, le Saturne en Capricorne qui est là depuis un petit moment, depuis le 30 avril, il sera là, il rétrograde jusqu'au 18 septembre. Donc en fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que il y a peut-être ce travail nécessaire, cette œuvre intérieure qui est en cours, en fait, il y a un processus interne qui se fait. Je sens encore de l'introspection, en fait. Je sens qu'il y a des choses qui ne se font pas tout de suite vis-à-vis de l'extérieur. Même si cette nouvelle lune est dans le signe du lion, pour moi, il y a quelque chose qui est encore à l'intérieur, en lien avec ce qu'on assimile. Il y a des choses qu'on a besoin d'intégrer. Et en fait, le fait qui est Saturne qui rétrograde jusqu'au 18 septembre, me parle qu'on arrive au bout d'un cycle qui a été un peu lourd, un peu plombant. On arrive au bout. Donc courage, courage à tous, parce que ouais, c'est pas super confortable. Il y a des périodes où c'est pas forcément funky. Et en même temps, moi je ressens quand même beaucoup plus de douceur qu'il y a par exemple 3 mois en arrière, quoi. Ou même le mois dernier. Après, voilà, à voir en fonction de chacun, bien sûr. Il y a aussi Pluton qui est donc dans le signe du Capricorne. Pluton qui est dans cette capacité de mutation, aussi d'élimination. Ça parle aussi d'énergie, de sexualité, de magnétisme, de tout ce qui va être en lien avec ce que l'on détruit, mais aussi les capacités de se régénérer. Et on a aussi cette forte énergie avec Pluton de dictateur, de personnes violentes, d'instinct et de puissance. Et en fait, le fait que il y ait Saturne qui soit juste à côté me parle de cette épuration concernant peut-être inconsciemment ou consciemment ce besoin de contrôle exacerbé que l'on peut avoir dans notre vie, que l'on peut avoir vis-à-vis de la vie et des événements que l'on nous met sur le chemin, et des rencontres aussi, et des opportunités. Et c'est comme si ça nous initiait justement à purifier,
réconcilier une croyance en lien avec bah, le passé, une mémoire. Voilà, j'ai l'impression de me répéter souvent, mais je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous que c'est vraiment en cours. Et Pluton rétrograde jusqu'au mois d'octobre aussi. Donc voilà, septembre-octobre, on arrive à la fin de cette rétrogradation, donc on va revenir sur une aisance, quelque chose d'un peu plus facile à mettre à l'œuvre. Et pour l'instant, il y a encore des choses qui sont en cours. On a aussi... Qu'est-ce que c'est? Ah mais non, ça c'est pour monter, maman. On a Jupiter qui est dans son domicile, dans le signe du Sagittaire, pour cette nouvelle lune aussi. Donc ça me parle de quoi quand c'est dans son domicile? Ça me parle d'une facilité à exprimer sa puissance, son expansion, à sa place dans le monde, à ce moment où vous pouvez partager qui vous êtes vraiment, votre vérité, votre authenticité. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, être authentique, c'est quelque chose qui fait très peur parce qu'on s'expose à des blessures de l'enfance, à des blessures que chacun, voilà, a vécues, l'abandon, la peur, le rejet, l'humiliation, la trahison, etc. Et en fait, c'est pas parce que Jupiter est dans son domicile que ça annonce quelque chose de plus facile. Parce qu'en fait, c'est comme si, pour moi, ça annonçait qu'il y avait une forme de complaisance dans une situation qu'on connaît quand c'est dans son domicile. Donc ça peut parler de ça, mais ça peut aussi en effet être des énergies favorables pour aussi ben, aller partager, aller explorer, aller découvrir, aller mettre le pas dans l'inconnu. Voilà. Et donc Jupiter rétrograde dans ce signe-là. Depuis, donc il est là depuis le 10 avril jusqu'au 11 août. À savoir que non, c'était pas Jupiter. Non, non, c'était Mercure. Mercure est dans son deuxième cycle, c'est-à-dire que dans son deuxième cycle de rétrogradation. Mercure qui est donc dans le signe du Cancer. Il y a trois cycles en fait. Mercure qui vient, qui se rapproche, qui s'éloigne comme ça. Hop. Et en fait, c'est le deuxième. Donc, c'est comme si la première vague du 5 au 28 mars qui a été faite de Mercure, qui nous a fait prendre conscience déjà de quelque chose d'assez important, ici se remettait à la fin d'une boucle en fait. Comme s'il y avait une deuxième vague, une deuxième boucle, mais avec quelque part les mêmes énergies que cette première phase de mars, enfin de ouais, du 5 au 28 mars, qui est revenue pendant cette période de juillet à août, donc tout ce mois, et ensuite qui va revenir le 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Ça me parle de ça, qu'il y a trois paliers comme ça, qui sont en train de se faire, de maturer, de conscientiser, en lien avec tout ça, avec votre capacité d'oser prendre vos décisions, vos capacités d'autonomie, vos capacités d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'explorer, voilà, d'oser en fait, tout simplement, de la nouveauté, d'oser... vous libérer en fait de conditionnement, de limitation, de croyances anciennes. C'est vraiment ça pour moi l'invitation. Et ça joue sur tout, sur les relations affectives, sur en sens amical comme sentimental, au rapport à la famille, aux attentes qu'on aurait pu avoir, voilà. Et aussi à ses capacités je pourrais dire, de développer son potentiel. Par exemple, s'il y a des personnes qui sont un peu timides, etc., eh ben, ce sont des énergies qui vont se remettre en place pour davantage montrer en fait où est-ce que nous en sommes avec ces freins-là. Voilà. Donc fin de rétrogradation le 11 août pour Jupiter en Sagittaire.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a toujours Uranus qui est dans le signe du taureau. Donc il nous parle de lien, de révolution avec nos capacités matérielles. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre nous, étant donné que nous sommes dans une phase de transition et énergétique, ça joue aussi sur la matérialisation des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps. On peut se sentir un petit peu démuni ou impatient quant à des transformations qui sont en cours et un besoin de sécurité financière qui est en train de se mettre en place. Donc, ne lâchez pas, pour moi c'est vraiment le message clé, c'est ayez confiance, ayez foi, continuez à aller à vous faire confiance dans vos capacités de réalisation, à oser franchir les seuils ou là où vous avez même pu avoir peur auparavant. Osez, allez-y, même si c'est inconfortable et souvent ça l'est, c'est justement là en fait que plus on arrive à un seuil où la peur est grande, que plus la liberté qu'il y a derrière est juste énorme. Et c'est vraiment ça, c'est que Uranus en taureau nous parle de ça. Selon dans quelle maison se situe ce signe, voilà, si c'est en lien avec la relation, par exemple, si c'était en maison 6, par exemple, c'est en lien avec l'extérieur, en lien avec le conjoint, les relations sentimentales. Il peut y avoir des difficultés à s'engager, par exemple. Et pourtant, il y a cette capacité de changer ça. Parce que une épuration, changement de paradigme, changement de façon d'être et de voir la vie de couple différemment, avec plus de pensées saines, avec une autre croyance en fait, une autre foi, une autre expérience. Voilà, c'est des paliers comme ça, perpétuels. Et voilà, ici par exemple, c'est en maison 2. Voilà, ça a coupé, il n'y a plus de batterie. Donc je parlais donc dans le travail, dans tout ce que vous êtes en train de mettre à l'œuvre de façon tangible, de façon matérielle. Que vous soyez dans une maison, que vous soyez en train de monter un projet de vie voilà, professionnelle, ou partir en voyage, ou préparer, je sais pas, une excursion, un road trip, ou je sais pas, il peut y avoir tellement de possibilités. C'est comme s'il y avait cette révolution concrète que vous êtes en train de mettre à l'œuvre, mais elle se fait lentement. D'accord? C'est l'invitation à être patient et serein. Parce qu'en fait, toutes les choses ont besoin de temps, de maturation, de persévérance, de rigueur. Et c'est comme ça, en fait, que les choses s'enracinent au plus profond de vous, dans votre être, et aussi dans ce que vous entreprenez. Ça me fait penser, la solidité d'une plante, bah, elle a vécu les quatre saisons. Elle a vécu l'hiver, elle a vécu l'automne, l'été, le printemps. Et voilà, elle s'est confrontée à la pluie, au froid, au vent et à la chaleur aussi, à l'aridité, à la sécheresse, tout ça. Et en fait, ça me parle de ça. C'est comme si, bah oui, il y avait parfois des moments où c'était difficile. On est un petit peu malmené comme ça par le vent, etc. Et ça nous permet quelque part la tige de la plante. Qu'est-ce que cela apporte en fait ce moment-là? C'est qu'en fait ça renforce ses racines, ça va renforcer sa tige, ça va lui permettre d'avoir encore plus de capacité d'enracinement. Et voilà, et tout ça se fait dans le temps à travers ses cycles. Voilà. Cette nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune dans la Kabbale nous parle de Yod. Yod, qu'est-ce que c'est? On a en fait quatre cycles. Qui nous parle du respect des quatre temps, justement. J'ai relevé cette phrase, Yode Have, donc qui nous parle de Jésus, de la voie christique. En fait, c'est l'essence divine dans sa complémentarité, je dirais. Je sais pas comment le nommer, en fait, c'est ce qui me vient, mais bon, voilà. Et de quoi ça me parle? Donc ça dit, exprime la clé de la construction de tout le cosmos dans l'univers. Donc ce respect justement de ces quatre temps, de ces quatre cycles. Que ce soit à travers la roue du zodiaque, mais aussi je pense au cycle notamment des femmes, au cycle lunaire, où nous vivons intensément. Ben, toutes ces transformations-là, on est rythmé par la lune, hein, on a nos menstruations à ce moment-là, voilà, on a toutes ces comment je pourrais dire,
ces changements hormonaux, en fait, ces changements d'humeur, ces changements des moments où on va être plus dans l'introspection, des moments où on va être dans la créativité, des moments où on va être beaucoup plus sensible et vulnérable à nos émotions. Voilà, tout ça, ce sont des cycles naturels. Et ça fait écho pour moi avec les quatre saisons aussi, que vous soyez homme ou femme, on le vit tous. Là, je fais quand même un petit aparté, clin d'œil féminin, parce que oui, à mon sens, les femmes, on est quand même porteuses de ce changement, de cette transmutation qui se fait en profondeur dans notre être, dans notre corps vital. Et voilà, il y a des choses qui sont nécessaires et qui prennent le temps parce que c'est la loi universelle de la vie, tout simplement. Il y a une phrase aussi que j'avais relevée. Ah oui, parce qu'en fait, il y a en biodynamie, j'avais fait un stage en biodynamie une semaine l'année passée quand j'avais fait mes études en maraîchage. Ça m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, je salue au passage Claude Réau, ce bel animateur passionné viticole et formateur en biodynamie que j'avais adoré, qui m'avait beaucoup touchée, qui avait transmis donc sa passion pour la biodynamie et ce rapport au vivant, et qui avait fait le lien avec justement la silice. Il expliquait donc que la silice, qu'est-ce que c'était ? La silice, c'est quoi ? C'est un sel issu d'un minéral, d'un minéraux, pardon. D'un minéral, non, j'avais dit là. et une plante a besoin de quoi ? De quoi est constituée une plante ? Elle est constituée d'eau et de sel. L'eau et le sel, c'est ce qui va lui permettre donc de circuler tous les nutriments nécessaires dans son corps. Et c'est aussi, quand elle a fait sa photosynthèse avec ses plantes, et ce qu'elle va absorber par la lumière du soleil, qui va se transformer en sucre, et quand ce sucre va rencontrer ce sel, on va avoir l'enzyme. Et qu'est-ce qui se passe? Ça nous crée la protéine. Et la protéine, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, tout simplement. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que en fait, Saturne, Jupiter, et la troisième, c'est... Je l'ai noté quelque part dans toutes mes feuilles. Où c'est que je l'ai marqué? Et Saturne. Non, Mars, Saturne, Jupiter. Voilà, Mars, Saturne, Jupiter sont des planètes qui sont en lien avec la silice. Et la silice, qu'est-ce qu'elle fait dans la biodynamie sur les plantes? Elle a les capacités d'aider l'être de la plante à s'ouvrir de façon à ce qu'elle puisse davantage réceptionner les énergies et donc les vitamines, etc. Donc voilà, je suis partie sur ça. Pourquoi? Parce que j'avais envie de parler de plantes, et bien que nous sommes des... Voilà, l'échelle... On est animaux et humains. Voilà, il y a humains, animaux, végétaux, minéraux. Nous, on est là. Mais je pense que, sensitivement parlant, on a les capacités de ressentir, je pense, toute cette subtilité des plantes, des minéraux, voilà, de la nature, de l'environnement. Donc, moi, je vous ramène aussi aux minéraux, même. À la fin, on va finir un grain de sable, quoi. Voilà, bon, c'est le clin d'œil perso que j'avais envie de partager. Et qu'avons-nous d'autre? Nous avons aussi Neptune qui est dans le signe du poisson, qui est là donc depuis le 21 juin, enfin qui est rétrograde depuis le 21 juin jusqu'au 27 novembre. Donc là aussi, ça me parle de capacité émotive importante, mais aussi de douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir un petit peu les deux penchants dans le signe du poisson. Cette faculté émotionnelle d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir, comment je peux dire, ressentir où est-ce que l'individu veut en venir au-delà des mots. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. On peut aussi avoir les capacités de ressentir intensément l'émotion de l'autre. Ça peut être aussi ça. Et ça peut être aussi tout un challenge de justement rester dans son axe, même si on ressent cela à l'extérieur de soi, sans le garder pour soi en fait. Mais cette vigilance à respirer avec et ne pas le rejeter, parce qu'en fait c'est
à mon sens, c'est les énergies qui font partie de nous, qui nous traversent, mais qui ne sont pas nous. Et je pense que c'est ça l'invitation pour se dépouiller davantage, se déconditionner et se donner plus de liberté d'être et plus de paix intérieure et de sérénité. C'est vraiment de tempérer avec tout ça et d'être vigilant avec le mental qui s'agite, avec Mars en Lion qui peut justement être dans cette énergie de feu, de colère, colère créatrice, mais aussi qui peut être aussi destructrice. Donc voilà, avec Saturne en Capricorne qui me parle de dépouillement, donc des choses qui sont en train de s'épurer. Nous avons aussi un carré qui est formé par Pluton, le Soleil, Pluton et Vénus. Un carré qui nous parle dans l'astrologie d'aspects dissonants. Mais pas que. En fait, moi, ça me parle d'aspects... quand on a un aspect dissonant, pour moi, ce sont des crises ou des difficultés auxquelles on se heurte qui nous permettent de nous comprendre davantage pour justement transformer ça. Mais aussi, ça nous permet de voir aussi nos limites. C'est-à-dire que... il peut y avoir des choses qui rentrent en conflit quand on s'obstine à tout prix à vouloir dépasser quelque chose. Et en fait, ouais, qui dépasse une forme de croyance ou d'utopie, vraiment de un peu de rêverie, là, un peu de chimère ou d'illusion. Et pour moi, ça me parle d'un... De justement, comme je l'avais dit au départ, avec Vénus et Soleil, il peut y avoir cette difficulté à aimer et en même temps cette douceur. En fait, c'est le premier truc qui m'était venu tout à l'heure. Moi, c'était vraiment cette facilité, mais pas toujours. Donc, je l'énumère des deux façons parce que en fait, on se heurte forcément à cette interaction énergétique et humaine dans notre vie qui nous fait révéler ce sur quoi on rechigne ou on trépigne ou on n'a pas envie de voir ça quoi. Et pourtant voilà. Donc que vous dire d'autre, cette nouvelle lune démarre en périgée, donc ça veut dire qu'elle est proche de la Terre, donc cette énergie va certainement être bien costaud. Pour certains d'entre vous, on va la ressentir plus ou moins intensément, tout ce qui est en train de se mettre en place. Notamment en lien avec l'affirmation, la force, la capacité d'investir son énergie à faire les choses aussi. Parce que souvent, on se dit non, mais ça c'est pas fait pour moi. Ça non, je suis pas en capacité de le faire. Non, je suis pas encore prête pour ça. En fait, l'invitation, c'est vraiment cet élan de confiance avec l'énergie du feu du lion qui nous dit « Allez-y, même si c'est pas mature, même si c'est pas totalement prêt. » En fait, le continuum se fait à partir du moment où on va y mettre le pied. Je crois que c'est vraiment ça l'invitation. Et en même temps, selon à quelle mesure selon quel projet il est en question pour vous, peut-être qu'il y a besoin de maturer quelque chose, d'attendre pour prendre une décision importante aussi, notamment après cette période de rétrogradation en Saturne, le 18 septembre par exemple, d'ici la fin de l'été, peut-être. Ouais. Et en même temps, là, le 11 août, donc vous voyez, 11 août, Jupiter aussi qui arrive en fin de rétrogradation, et qui sera pour le premier quartier de lune en balance. Donc ça me parle de cet équilibre, de cette harmonisation qui est en train de se faire. Je pense qu'on est obligé de passer par une phase un peu de décalage. On expérimente un côté et puis l'autre. Et en fait, petit à petit, c'est en train de s'ajuster. Donc confiance, force à vous. Voilà, les choses se mettent en place pas à pas. Et voilà. Quoi ça me parle d'autre? Combien de temps ça fait? 10 minutes. Oui. On a aussi c'est le fait que Saturne se situe en Capricorne,
C'est un signe qui est dans la roue astrologique, c'est une maison angulaire. C'est-à-dire qu'elle arrive à un axe, comme une période charnière où on va passer dans un autre cycle en fait. Pour entrer ensuite dans le Verseau, le Poisson, le Bélier, etc. Et en fait, Saturne vient me parler de cette épuration-là, qui se fait dans l'ancrage, dans tout ce qu'on est en train là, de vivre. On le sent, hein, c'est lourd dans le corps, c'est du costaud, on est en train de passer par des sacrés trucs là. Mais tout est ok. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de dire, ne luttez contre rien. Si ce n'est la peur. Je crois que c'est vraiment ça la clé. Ne vous laissez pas assaillir par la peur. Ayez la foi. Suivez les chemins en fait, les clés, les petites graines semées sur votre route qui vous disent d'y aller. Suivez les synchronicités, les petits clins d'œil qui sont mis comme ça sur la route et qui viennent soulever des croyances, des peurs, des résistances. Et en même temps, mettez du soleil et de l'amour sur tout ça et allez-y, parce que je pense qu'il y a un beau cadeau derrière. Pas à pas, c'est en cours. Toujours avec Uranus en taureau, avec le temps. Dignement et sûrement. Voilà. Voilà pour le clin d'œil général. Le signe du lion dans les constellations, dans l'astronomie notamment, on parle de lion némé. Alors je n'ai pas approfondi némé, mais il nous parle de... Dans cette constellation qu'il y a deux étoiles les plus brillantes des constellations. Donc... petit clin d'œil quand même avec cette nouvelle lune en lion. À savoir que la première étoile la plus brillante se situe au niveau du cœur. Du cœur de lion. Oh, je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, Mars qui va arriver sur cette énergie-là. Je pense qu'il y a quelque chose de beau. Et l'action. L'action est belle. Et elle sera encore plus belle que ce que vous croyez, je pense. Ouais. Donc voilà. Bon, je vais écourter cette vidéo. Je crois que ça fait déjà pas loin d'une demi-heure. J'ai envie de vous lire un message d'un livre. Je salue ma chouki qui m'a offert ce livre. Qui me l'a envoyé parce qu'elle l'avait commandé en double. Et finalement, la vie est merveilleusement bien faite parce qu'elle m'en a fait cadeau. Et j'en suis très reconnaissante. Un moment avec Jésus parce que moi je crois à ce chemin initiatique. Des saints qui ont traversé des choses difficiles sur terre, qui ont été témoins d'incarner la souffrance, qui ont été témoins d'incarner la force de leur foi et de leur engagement du cœur dans leur vie. Et voilà, pour le plus grand bien de tous. Et voilà, j'ai envie de vous lire un message. Alors on va y aller au feeling. Ou alors je lis tout de suite le 1er août. Allez, on va aller sur le 1er août. J'ai tout de suite cette info, alors allez, on va aller là. Alors déjà, je tombe sur le message. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Alors, du 1er août, rien ne peut te séparer de mon amour. Laisse cette assurance divine imprégner goutte à goutte ton esprit, ton cœur et ton âme. Dès que tu commences à éprouver un sentiment de peur ou d'anxiété, répète-toi cette promesse inconditionnelle. Jésus a dit que rien ne pourrait me séparer de son amour. La détresse humaine provient en grande partie du sentiment qu'ont beaucoup de ne pas être aimés. Au milieu de l'adversité, ils ont tendance à croire qu'ils ne sont plus aimés ou qu'ils ont été oubliés. Ce sentiment d'abandon est souvent pire que l'épreuve elle-même.
Sache-le avec certitude, je n'abandonne jamais aucun de mes enfants, pas même temporairement. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je suis continuellement là pour veiller sur toi. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Waouh. Bah, dis donc, si je m'avais... Voilà, je m'attendais pas du tout à ce message. Très beau message. Merci. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette interprétation vous aura apporté des clés, des messages. Voilà. Vous aura accompagné, vous aider. Ou, voilà. En tout cas, c'était le but et ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça. 14h41. Petit clin d'œil. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Passez un très beau mois d'août. Rendez-vous pour la prochaine vidéo du 15 pour la pleine lune. Qui sera en Verseau, je crois. Où c'est que j'ai noté? Je sais plus, je l'ai noté quelque part. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Oui, normalement, c'est en Verseau. Faut que je vérifie maintenant. Oui, c'est bien ça. Ah, bonne mémoire. Eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite tout le meilleur et voilà, ayez foi. J'invite pour ceux qui le souhaitent à bénéficier d'un soin énergétique Lao Chi que je propose à distance lors des nouvelles lunes et des pleines lunes. Il y a mon lien Facebook dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire, vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 31 au soir, 20h. Grand max au premier midi, quoi, mais en général. Bienvenue à tous, et puis merveilleuse nouvelle lune à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous, plein d'énergie, d'amour à vous, et voilà, à tout bientôt. Merci infiniment pour vos retours, vos témoignages, vos dons, vos likes. Gratitude à tous, et voilà, prenez bien soin de vous, et à bientôt. Bye bye.